Coucou. Il est 17, 16h30. Je suis allée chez Action. Je voulais me racheter un balai pour le haut là, parce que comme j'ai du de la maison en plus, j'avais besoin d'un autre balai. J'en ai pas assez. Bon, je vais. Il est joli celui-là. Il est en bois. Attendez. Il est joli, mais par contre, j'ai l'impression qu'il est plus fin que les autres balais à voir. Mais je pense que je pourrais pas mettre toutes mes serpillères dedans. Je me suis fait un thé matcha. Et je vais faire entrer ma toutoune. Je ne vais pas y arriver avec les balais. Bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai vu ça dans le magasin et je trouve ça trop joli. Vous savez, c'est comme les lampes berger. Et j'avais envie d'essayer de. Vous voyez, j'ai une lampe berger là. Voilà, j'en ai une là comme ça. Mais je trouve que celle-là est jolie aussi. Vous voyez, vous avez un petit entonnoir comme d'habitude, avec pareil que dans la lampe berger, c'est exactement la même chose. Hein, vraiment. Et vous avez un truc, par contre le mien c'est du métal et là c'est un petit peu plus fin, mais c'est pas grave ça de toute façon. Et par contre je le trouvais super joli, vous voyez, il se présente comme ça. Il y en avait des transparents et celui-là en doré comme ça, je trouvais que dans ma pièce ça allait bien. Je vais mettre du produit, j'ai repris des bocaux comme ça parce que vraiment ils sont magnifiques et ils font quand même un litre d'eux. Donc vous voyez les Kellogg's que j'ai achetés là, ça rentre pratiquement tout dedans. Bon, il en reste encore un tout petit peu dans le paquet, mais presque pas. Et je trouve que c'est super joli. Voilà. Donc j'en voulais deux autres. Mais quand j'y retournerai la semaine prochaine, s'il y en a d'autres, j'en reprendrai encore deux autres parce que je les trouve vraiment très très beaux et hyper grands. Il y en a des fois qui sont vendus dans des magasins, mais plus petits. Et du coup, bon, ça sert à rien. Mais là, vraiment, la contenance est super. C'est très très beau. J'en ai repris deux autres et franchement le prix hyper intéressant. Hein. Donc j'en ai repris deux autres. J'ai repris, j'avais besoin parce que en faisant ma lessive ce matin, je me suis aperçue que j'en avais plus. J'ai repris des cordes aussi comme ça. Là j'en ai repris deux. J'ai repris, comme je vous l'ai dit, je vais changer mes prises parce que celles que j'ai, elles sont quand même vieilles, donc je vais en les changer et au fur et à mesure j'en achète. Oui. Ok. Voilà. Donc ça c'est beaucoup, ils sont magnifiques. Hein. Et vous voyez, j'ai acheté chez Ikea des couvercles comme ça, là, des boîtes avec des couvercles, et c'est dans le même style. Et moi j'adore le bois, je trouve ça très joli. Donc j'aime bien tout ce qui est en bois comme ça. Voilà, et puis j'ai repris du produit, ça c'est pareil, ben, j'en avais plus ce matin, donc c'est pour ça que j'y suis allée en fait. C'est vraiment parce que j'avais besoin aussi du vinaigre blanc. J'en avais besoin aussi. Et j'ai vu ça en magasin. C'est un petit diffuseur de parfum et je le trouve trop mignon. Alors je suis Les Aventures de Linda. Je crois que c'est ça. Linda, c'est une dame qui fait des vidéos chez Action. Elle va en magasin et puis elle filme. Et du coup, je regarde ses vidéos le matin quand je me prépare. Et elle les a montrés en vidéo, j'ai trouvé ça magnifique. Donc ben, j'en ai pris un. C'est trop trop beau. Vraiment, avec une petite fleur séchée dedans, là, j'ai trouvé que c'était très joli. Au niveau de l'odeur, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais les mettre dans ma chambre. Et si c'est sympa, j'en rachèterai. Alors ça sent très. C'est assez fleuri en fait comme senteur. Il y avait plusieurs senteurs. Et j'aime beaucoup, ça sent très bon. Je vais mettre ça dans ma chambre, c'est très joli. Je voulais aussi racheter ça, c'est pareil, ça j'en avais plus. C'est pour mon linge de couleur, donc je m'en sers tout le temps et j'étais en panne. Et du coup, il restait encore des serviettes comme ça. Je suis en train de changer toutes les serviettes en fait de ma maison, donc j'enlève les vieilles et comme ça, bah, ça c'est les nouvelles. Et j'en ai acheté plein comme ça de cette couleur. J'aime bien la couleur. Franchement, elles sont pur coton et c'est nickel. Donc, je pense que ça devrait être bon. Je pense que c'est bon. J'ai assez de serviettes. J'ai repris un eyeliner
noir, il est vraiment très très bien ce eyeliner. Et le mien est presque sec. Donc, il est super. Franchement, je vois pas la différence entre les autres. En plus, moi, je les termine jamais. Donc, ça me va très bien. Donc, j'ai repris un eyeliner. Très bien. J'ai repris ce produit, là, vous voyez. C'est ça que je vais mettre dans ma lampe berger. Dans ma lampe, il y a le petit truc, là. Alors, déjà, il faut mettre le produit. Déjà, je vais mettre le produit dedans. Et là, j'ai pris gingembre rôti. Je l'avais déjà acheté l'autre fois et ça sentait très, très bon. Alors, moi, je ne vais pas utiliser tout le produit. Je ne mets pas tout dedans parce que je me suis aperçue, en fait, l'autre fois, la première fois que je l'ai utilisé, j'ai rempli le bocal jusqu'en haut. Et en fait, le produit s'est évaporé. Donc, du coup, il a fallu que j'en rajoute dedans. Donc, ça ne sert à rien. Donc, j'en mets juste un petit peu, juste de quoi imbiber ça, là. Et puis, j'en rajouterai une autre fois. Mais enfin, c'est un conseil que je vous donne. C'est dommage de gaspiller. Parce que si on ne s'en sert pas, ça ne sert à rien. Voilà. Donc là, juste assez pour faire tremper la petite mèche. Il faut attendre un petit peu. Et après, j'allumerai la mèche. Voilà. Donc, c'est cool. J'aime bien ce genre de produit. Là, c'est joli, je trouve. Et puis, moi, en ce moment, en plus, ma fille, elle n'est pas bien, du coup, je ne suis pas bien non plus. Et j'ai besoin de réconfort, voyez. C'est pour ça que j'investis souvent chez Action. Pour avoir un peu de réconfort. Ouais. Ensuite, j'ai acheté des sacs poubelles aussi, parce que j'en avais presque plus en haut. J'en ai toujours en haut accroché à mon escalier, comme ça... au fur et à mesure, je jette tout dedans. C'est cool. Voilà. J'ai repris des petits bâtonnets comme ça. Vous voyez? Des petits bâtonnets pour les diffuseurs. Et j'ai vu qu'il y en avait. Mais ils ne sont pas très grands. Par contre, ils sont fins. Mais bon, on va essayer. Et j'en ai pris des noirs aussi. Il y en avait des couleurs naturelles. Ça, c'est des noirs. J'ai pris deux noirs et deux beiges. Voilà. Très bien. Oui, mes loulous, je vais vous donner ce que vous voulez. Donc, j'ai repris encore de la corde, là. J'ai repris, alors ça, je vous l'avais montré la dernière fois, c'est une pelle pour les tartes. Et en fait, ça coupe super bien les tartes. Et même, c'est parfait pour pouvoir les enlever du plat. J'en ai pris un la semaine dernière. Et franchement, j'ai dit, c'est super ce truc. Et c'est assez fin, donc ça rentre bien sous le plat à tarte. Donc, j'en ai repris un deuxième. Voilà. C'est parfait, ça je voulais aussi en prendre. Et j'ai repris cette petite chose que j'adore aussi pour le linge. C'est un adoucissant pour le linge. Ça sent très très bon. L'odeur est très délicate, j'aime beaucoup. Mes pulls en cachemire, mes chemisiers en soie et tout, je les garde pour moi ça. Ça coûte 1 €. Et j'ai vu ça aussi donc sur les blogs de Linda. Je ne me rappelle plus, mais c'est Linda, je sais que c'est Linda, mais après, je ne sais pas si c'est blog ou je ne sais pas. Et elle avait présenté ce produit, je crois que c'est elle. Ouais. Ah non, c'est une autre youtubeuse. Oui, parce que je suis pleine de youtubeuses. Et en fait, c'est le soleil teint de Clarins, c'est pareil. Donc, je vais essayer. Je pense que, vous voyez, c'est de... moi, j'achète de la poudre de... sur un site... oui, je ne m'en rappelle plus. Il y a un site qui vend une poudre qui permet en fait à la peau de bronzer. Et je pense que c'est ce qu'il y a dedans. En fait, il y a cette poudre du DHA. Voilà. Et ça sert d'auto-bronzer en fait, cette poudre. Et je pense que là, ça va être la même chose en fait. Ouais. Donc, on va essayer. Je vais l'utiliser dans ma crème de jour. On verra bien. Voilà, écoutez, j'ai acheté que ça, il n'y a rien d'autre. J'avais besoin vraiment de produits pour la vaisselle, pour mon linge. Et puis là, je vais donner à manger à mes chiens, là, parce que là, ils me regardent tous, ils sont tous autour de moi. Et on va y aller. Je ne suis pas en retard. Normalement, c'est à 6 h, donc cool. Je vais boire la tisane
Et puis, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao.